Coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Rimworld, on va continuer notre colonie. Elle prend forme, on a de nouvelles recrues, hein. On est combien là? 3, 6, 9, on est une douzaine. On a combien de chambres? 8, 9, il va falloir qu'on accélère un petit peu sur les chambres. 10 on va dire, vu qu'il y a un couple, faut qu'on fasse des chambres supplémentaires. Ok. Alors, on va demander de miner. Au moins comme ça. Et tout ça. On va aménager la chambre. Hop. Ok. On a fini ici le carrelage, donc on va en mettre dans les autres chambres aussi. On a un peu plus de monde, donc du coup on peut se permettre. Voilà, on a Monroe qui mine tout le temps. On a notre incinérateur pour incinérer les corps. En même temps, j'ai fermé ici, j'aurais pu fermer ici tout simplement. On verra. Il faut vraiment qu'on avance, j'aimerais beaucoup finir ça, cette zone là, pour pouvoir déplacer le stockage et ici faire une zone de centraliser l'énergie. Alors vu qu'on a déjà les murs, du coup j'enlèverai peut-être même ceci. Du coup peut-être pas fermer là. Garder ici au final. Vous savez quoi? On pourrait plutôt faire ça. Ce serait un peu plus intelligent. Alors oui, ici, je vais garder un petit couloir de service derrière, au cas où. Du coup, enlever ça. Démolir ça, désolé. Annuler la construction. On a tout annulé. Ok, on va y arriver. Hop! Annuler la construction ici, mais par contre construire une copie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, du plastacier, excellent. Génial. Il me semble qu'on en avait aussi un autre endroit, je sais plus où. Ici. Bon bah les chambres sont vite construites, dis donc. Inconnu. On peut le mettre à Vasilissa, du coup. Surtout que lui, il est sensible. Ouais, on va lui mettre. Ok, il s'est levé pour planter, pourquoi pas. Monroe, risque de démence majeure. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Beauté. Ouais. Environnement déplaisant. Il s'est fait insulter. Il s'est fait insulter par qui? Par Kaloun. Ah. Kaloun qui a une bonne discussion avec Karpolf. Doc aussi. Ok, ils sont en train de se rapprocher un petit peu. On va les laisser arriver. Ok, alors Cédricov, tu es où? Tu chasses le Mufalo. Tu vas venir parler avec Sam.
Oh, il y a de la viande. Il y a de la viande, mais nous aussi on en a des croquettes. Ils ont pas de croquettes? Non, c'est nous qui en avons. Ok. De la bouffe, ils sont intéressés par la bouffe. Ils ont du tissu. Ah, je prendrais bien le tissu. De fibres organiques. 228. On va bien leur trouver. Bah voilà, on va leur vendre notre cuir en plus. Laine de mufalo. Laine de mufalo, 350. On va en vendre 250. Et on va vendre tout notre cuir. Vu qu'on chasse beaucoup, et même du cuir de négatorium. Fourrure de mufalo. Attention, on peut pas leur en vendre plus. Cuir humain, mon Dieu, c'est horrible. Ils ont des herbes médicinales. Joint de smoke leaf, ça on va les vendre. Je veux pas voir ça ici. Et les guenilles, le problème c'est qu'il faudrait qu'on leur achète d'autres choses. Ils ont pas des armes des fois. Un fauteuil en diable étoffe. On va plutôt acheter de la bouffe. Viande de bœuf. Ok. Toujours ça qu'on n'aura pas à chasser. Viande de lièvre, viande de lynx. Ou du pémican. On est encore au-dessus. Ok, on va les dépouiller. Génial. C'est chouette. Ça fait pas mal d'argent. Risque de démence majeure pour Clara. Elle a besoin. À la fin, voilà, c'est pas mieux. Prisonnier inoffensif, ça va durer encore 11 heures dans le noir. Bah oui. Il peut rien, c'est l'éclipse. Nouvelle recrue. Ah, excellent. Excellent. L'Ercha. C'est une dame. C'est une dame de 40 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme aptitude? Oh! Très bien, artisanat, génial. Alors, on va déjà. Médecin, c'est pas la peine. Repos, oui. Contrôle, oui. Chasse, tu vas chasser. Ok, on va te mettre. Vassilissa, tu vas chasser aussi. Foresterie, tu vas aider. Minage. Tu vas aider au minage. Tu vas aider à la forge. La recherche, non, c'est pas la peine. On a déjà du monde. Il est à 15, 13, 10 et là, 8. Ok. Dark Rain, on va carrément enlever. C'est pas la peine d'avoir ça dans tes priorités. Ok, alors ce qu'on va faire, au niveau du sol, carrelage en argent, je crois que c'est ça, hein, convient parfaitement aux chambres luxueuses. Non, c'est pas ça, carrelage antibactérien, voilà, pour les hôpitaux. Donc on va faire ça. Ok, le minage avance par ici. Pourra faire les chambres supplémentaires. On avance par là aussi. Ok. Il me fait un peu peur ce grizzly quand même. Lui, il a pas d'armes. Alors, qui c'est qui avait pas d'armes?
je sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu vas venir prendre l'arc ici. En attendant, et on va demander à tous ceux qui sont bien équipés de venir là. Ça devrait suffire. On va s'attaquer à l'ours. C'est parti. De toute façon, l'ours. Ok. C'est même pas la peine d'aller plus loin. L'ours est mort, ça y est ? Non, il attend. Alors. Reprendre une activité normale. Ok, tac. On va construire une copie tout de suite ici. Alors, par contre, les animaux. Hop. Retirer une zone animale. Alors, zone animale. Vous allez dégager de l'hôpital. Ok. Énergie géothermique terminée. Ok, écran de recherche. On va rechercher le brassage pour faire de la bière et vendre de la bière. Ça pourrait être pas mal, mais après, le problème, c'est qu'il risque de consommer et j'ai pas envie d'avoir des mecs dépendants. On va faire le mortier. Ça pourrait servir en cas d'attaque. Ok, on va avoir une super salle, un super entrepôt. Ok, on a encore une Mufalo qui est enceinte. C'est assez dingue. Oh, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Oh, du jade. Excellent. Excellent. Là, on n'a pas eu... Hop, établi de sculpture, faire une sculpture, détail. Avec quoi? On va tout effacer et on va demander une statue en jade. Grande statue en jade, ça pourrait être excellent. Très bien, ça avance vite. La carabine de survie a été terminée. C'est pour Monroe. On va venir l'équiper. Tout le monde a une arme maintenant. Non, Huntsman n'en a pas. Il est intéressé par le tir. Et bien, ce qu'on va faire... On va lui faire une mitrailleuse légère. Là, si on a encore des composants, est-ce qu'on peut encore en miner? Oui, on peut encore en miner ici. En termes de composants, on n'est pas très très bien. On n'a pas énormément de composants de disponibles. Ah, là on a du granit. Et là aussi.
Ok. Et tout ça me donne pas de composants. Allez, c'est parti, Monroe, l'évangéliste, est en pleine frénésie pyromane. On va laisser s'énerver un petit peu. On va venir éteindre derrière lui. Bon, c'est quand il veut qu'il se calme, hein, par contre. La dernière fois, ça a duré moins longtemps quand même, hein. Ok. Il a terminé sa petite crise pyromane. Le nombre de fois où ils échouent quand même, c'est un truc de dingue. Dark Rain, il est combien en construction maintenant? 9. Ah oui. C'est Clara. Hein. Alors, Clara, au niveau de ses aptitudes et besoins, où est-ce qu'on en est? Ah, Clara est laide. Ah oui. C'est pour ça qu'elle trouve personne. Trop intelligente. Bon. Efficacité 0%. Clara, on va t'installer une jambe bionique. Alors, oh, avant de se gourer, jambe droite. Jambe bionique, jambe droite. Ok. Et on va voir si ça marche. On va les reconnecter. Ça, on va le réinstaller ici. On va mettre du carrelage antibactérien là. Ok, on a un raid. Ils vont se préparer avant d'attaquer. Ils sont où? Ils sont en haut. Et on a des commerçants. On va avoir et le raid et le commerçant en même temps. Comme ça. On est où au niveau des pièges? On va réarmer les pièges là. Un tout petit, tu vas t'occuper de ça. Transporteur? Ah, oh, c'est pas vrai. Ok, il lance l'assaut. Hop. Kaloun. Allez, vous vous dépêchez de venir là. Lexi. Alexi, tu vas pas réarmer les pièges, tu vas venir là. Alors. On va se déplacer un petit peu les carabines. On va les mettre en troisième ligne. Ok. Toc, tu vas t'avancer. Huntsman. Oh, t'as pas de... Bah, va-t'en. Démonter les murs à chaque fois qu'on a une attaque. Ok. Est-ce qu'ils vont essayer de passer par là ou pas? Oui. Non, ça y est, ils sont partis. Ok, ils ont juste joué les rageux à la fin. Alors, lui, il est mort. On va. Hop, lui, il est mort aussi. Il est mort. Et lui, il est mort. Alors, au niveau des armes. Ok.
Alors, ce qu'on va faire, hop, ça, on va le réactiver et on va brûler des corps. Les produits chimiques aussi. Alors, au niveau des produits chimiques, juste pour être sûr. Ambroisie. Ok. Ok, c'est tout ce qui peut nous amener à la dépendance. Alors, Toufti, tu es où, mon ami? Hop, viens commercer. Je veux juste voir un truc. C'est que en sociabilité, il est à 12, 720 sur 16 000. On va voir si négocier avec eux, ça nous permet de... Ah. Oh, on va pouvoir vendre nos animaux. Excellent. Excellent. De toute façon, en dehors de ça, on peut rien vendre. Ils ont 993. Très bien. Elle a 2 ans. Femelle 0. On va la vendre. Buffalo mâle. On en a 3. On va en vendre. Hop, le petit veau. Alors, on a Pépé qui a 5 ans. On a celui-ci qui a 3 ans. On va garder Pépé parce qu'il est nommé. Lui, il n'est pas nommé, on va le vendre. Alpaga, on va garder. Et ça, on va en vendre une aussi. Ok. Bon, notre défense est pas trop mal, hein. Notre défense est pas trop mal. Ouh, on a pas mal de plastacier ici. On va venir les stocker ici. Ok. Oh, d'ailleurs, lui, on peut le déshabiller. Caravane quitte la colonie, pas de soucis. Voilà, on pourra faire une zone d'accueil pour les caravanes avec des lits et tout ça, mais je suis pas sûr que ça marche comme ça. Pour les visiteurs. Clara n'est plus incapable de marcher. On lui a installé la jambe bionique, apparemment ça va bien. Efficacité 140%. Oh! Elle souffre toujours moyennement. Cédricov, il lui manque 5 côtes, 2 yeux. Mais le gars, il continue à bosser. C'est un warrior. Ok, on a le mortier. Génial. On va rechercher la production de médicaments. Ça me paraît important. Alors, énergie, on va continuer de tirer les câbles. Ici. Ok, ici, on n'a pas laissé l'espace pour une porte. Dommage. Et on a encore un raid. Oh, des mécanoïdes. Et ils attaquent immédiatement. Ok. Alors. Très rapidement, on va activer ça. Allez. Carpolf, s'il te plaît. Non, toi t'as pas d'armes. Ok, tout le monde. Kaloun, tu rentres. Huntsman. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens là, Dark Reign.
Tu viens là aussi. Ok, ils vont pas oser s'approcher. On peut pas les voir d'ici non plus. Si. Ok, alors, les carabines. Alors toi, tu vas venir ici. Karpolf, t'as une carabine, tu vas venir là. Qui d'autre a une carabine? Truite. Tu vas venir là. Vassilissa, t'as une carabine. Voilà. Ok, on a eu notre premier mécanoïde. Génial. Karpolf, tu vas tirer sur le faucheur. Ok, on l'a touché. Lui, il en est où? Et sur pare-balles, au pied gauche. Oh, wow, 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 wow. Karpolf. Allez, on va vite se soigner. 3. On va vous tous. Ah oui, ok. La tourelle a éclaté. Alors, est-ce qu'on n'a pas du monde avec des supers armes? Lexi, par exemple. Hop, viens là. Clara, viens là. Et Cédricov vient là. Vous allez contourner. On pourra construire une copie ici. Karpolf, je t'invite à te reposer jusqu'à guérison complète. Darkrain, tu vas secourir Huntsman. À revers et il est quand même allez pour finir. Ok, on va pas les interdire. Ok, donc on a Lexi et Doc qui viennent de se mettre sur la tronche. Apparemment, ils ne devaient pas être contents, enfin, ils ne devaient pas être d'accord sur comment se mener telle ou telle intervention. Peut-être c'est pour la jambe bionique de Clara, elle aurait peut-être fait d'une autre manière et Doc voulait procéder autrement. Bon, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord, ils se sont mis sur la gueule tous les deux.
comme on dit. Alors toi tu vas te soigner et Lexi va prioriser de soigner Lexi. Ah non, tu as même soigné Lexi. Bah voilà, fallait pas lui faire mal. Ok, elle avait pas mal de contusions. Tu vas te soigner aussi. Et Huntsman, qu'est-ce qui t'arrive? Estropié à la colonne vertébrale? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! C'est quand la tourelle a éclaté. Oh mince! Alors là, ça c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir qu'on trouve une colonne vertébrale quand même assez rapidement, quelque chose de bionique. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Par contre, on n'a pas de composants. Raffinerie, composants. Le fondeur, il nous faut deux composants au moins pour le fondeur. On n'a rien du tout. Ah, c'est ennuyeux. J'espère qu'on va tomber sur du composant. Il y a que ça. Il n'y a que ça, parce que sinon on va vite se retrouver coincé. Ici, j'ai demandé la construction, ce sera notre future prison. Donc on connectera les panneaux solaires. Je pense qu'on va faire une salle des batteries ici, avec autour les générateurs, la géothermie. On déplacera les générateurs. Et on fera notre étable par ici. Alors, on va essayer de venir miner par là. Ok, on va pouvoir étendre la zone de couverture. Et du coup, on va pouvoir faire notre zone de stockage. Alors, on va copier les paramètres. Et ici, on va coller les paramètres. Du coup, on n'a pas les aliments, produits manufacturés. On n'a pas les médicaments, mais on a tout le reste. Au niveau des cadavres, on va mettre les cadavres de mécanoïdes. Ok. Du coup, on va. Supprimer cette zone. Et supprimer cette zone aussi. Un nouveau raid. Ok, encore des mécanoïdes. Décidément. Bon, on va activer ça. Ok, on va ramener tout le monde. Oh là là là. Vite, tu vas vite te barrer. Ils sont trop loin pour les tourelles. Si tu viens par ici, l'air chat. Ici tu peux voir, très bien. Donc Clara, toi tu peux pas. Si tu viens ici. Attends, toi, ça passe. Toi.
Ok. Nous, on l'a eu. Alors, attends, truc, attends. On va appeler deux autres personnes. Carpolf, tu vas venir là. Et... non, Alexis. Hop, ce Volkov, tu vas venir là. T'es déjà aveugle. On perd un œil de plus. Allez vous soigner. Blessure légère. Oh, ça y est, on commence à le toucher un peu plus. On est en train de démonter les murs à coups de... à coups de balle. Ok, ils sont tombés. Alors, Soufti, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Ok. Et les deux. Hop. Ok, animal fou. Un écureuil local. Allez. On bat le feu. C'était peut-être pas la priorité. Ah oui, si, quand même. Ok, Doc, ce que tu vas faire. Pas de danger immédiat. Mort dans 19h, 21h. Et Clara, 21h. Ok, donc, Doc. Allez, tu viens soigner tout le monde. Carpolf, Truit, Mercha. Senrikov, va te reposer, Vasilissa. Non mais les gars, vous avez pas compris. Alors, ok, hop, Truit, Mercha, Clara. Ok. Ensuite, Doc. Tu viens soigner, du coup, Carpolf, Truit et Lercha. Donc, Lexi va soigner Clara et Vasilissa. Et Cédricov. Ok. Il pleut, ça va s'occuper d'éteindre le feu. On va pouvoir prioriser tout ça. Il faut qu'on agrandisse notre hôpital.
Ok, on fait la fête. Alors, qui organise une fête? Monroe. Génial. Ils font la fête ici, dans l'entrepôt. Bah voilà, c'est l'inauguration du nouvel entrepôt. Génial. Tout le monde est content. Et il y a même une Buffalo qui est enceinte. Et la vie n'est pas belle. Oh. Ce qu'elle a pris. On a les lits médicaux. Ok, excellent. On va faire le multi-analyseur pour pouvoir aller au-dessus. Génial. C'est quoi qu'elle a comme arme? Mitrailleuse légère. C'est assez excellent comme arme. Bon, on a un sérieux manque de composants. Il faudrait qu'on puisse démonter les faucheurs, mais pour ça, il nous faut la raffinerie, le fondeur électrique, il me semble. Sauf si on peut le faire sur l'établi d'assemblage, je doute. Ah si, c'est ici. Oh, magnifique. Alors, on va enlever tout ça. On va le faire tout le temps. On va récupérer des composants, ça va être génial. La priorité, ça va être de nettoyer la base, l'air chat. Voilà. Dernier arrivé, dernier servi. On aurait pu le faire sur Huntsman, mais malheureusement, le pauvre ne peut plus bouger. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on peut mettre une colonne vertébrale bionique, si on peut enfin, le robotiser, ou est-ce qu'on va être obligé, ou est-ce que ça nécessite un mode. J'aimerais bien ne pas mettre de mode. Le jeu est en cours de développement. D'un patch à l'autre, les mods peuvent ne plus être bons. Oh là 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 là, Doc et Lexi se battent encore. Ok, donc les cerfs en migration, on va pouvoir les chasser. J'ai déjà donné l'ordre. Par contre, il m'a semblé voir quelque chose d'intéressant. Oui. On a ici les boomalops. Alors, on s'en moque. Alors, boomalope, femelle, mâle, femelle de 1 an, on va l'apprivoiser. Femelle de 8 ans, femelle de 2 ans, on va l'apprivoiser. On n'a que des femelles. Femelle de 7 ans, ok. Et on va apprivoiser le mâle. Très bien. Peu de chasse dans le coin, c'est bien. Oula, pourquoi il fait 9 ici à l'intérieur? Ça pour que ça descende. Ah, ça arrive pas à descendre. Clara. Faut des composants. Mince. Du coup, si on a des boomalops, on n'aura pas besoin de la raffinerie. Donc on va démolir la raffinerie pour le moment. Alors Clara. On va démanteler ça en priorité. Ok, et tu vas prioriser, remplacer ceci. Ok. On va se mettre à moins 9. Ok, on revient à l'équilibre. Ici, il nous manque 8 composants. On va l'annuler pour le moment, le laboratoire de chimie, on le fera plus tard. Ça, on va le démolir.
Ok. Bon, ça prend forme, c'est bien. Notre nouvelle prison, notre nouvelle zone de prison. On va avoir de la... Ok. On a les capsules de transport. On va rechercher les fusils de précision. Ok. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Regardez. La base, comme elle se développe plutôt bien. Notre nouvelle prison, notre nouvelle zone de stockage, les chambres qui sont en train de se développer correctement. Notre frigo qui s'est bien agrandi. On va continuer de miner. J'espère qu'on va trouver très 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 rapidement des composants, parce que sinon on va vite se retrouver dans la mouise. On va essayer de renouveler ça. Alors je sais pas du tout par contre. Au niveau énergie, ça, on a besoin de composants quand même, ouais. Oh là là. Il nous faudrait des marchands là qui nous apportent des composants, on leur achèterait. On a quand même 2000 d'argent de côté. En tout cas, nos défenses, elles tournent plutôt pas mal pour le moment. Pompe à eau, j'ai pas regardé non plus les pompes à eau. C'est pas du tout. On commence à avoir énormément de choses. On a le mortier, on pourrait faire un mortier aussi. On pourrait le faire dans le coin. Ça nous permettrait de tirer sur les. Ça peut être intéressant. Énergie, capsule de transport, lanceur de capsule, regardez tout ce qu'on a. Pompe à eau, mais c'est pareil, il faut des composants. Oh là là. Balise orbitale. Il nous faut un composant. Console de communication, il nous faut des composants. Bref. On va devoir miner. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Du coup, on va peut-être annuler ça. Quoi qu'on peut venir miner sur le... par dehors. Ok, c'est pas dérangeant. Allez, je m'arrête ici parce que sinon je vais jamais vous lâcher. Et ça fait quand même déjà pas mal de temps que j'enregistre. Heureusement que je fais des ellipses pour vous passer tous les passages qui sont pas forcément intéressants, qui traînent un petit peu. En tout cas voilà, la base se développe bien, les recherches aussi. J'espère qu'on va réussir à avancer tout ça. Doc est encore un peu mal en point, il faut vraiment qu'on trouve une colonne vertébrale bionique pour Huntsman, parce que sinon il va falloir qu'on s'en sépare. Allez, je vous laisse là, parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de RimWorld. Je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous, je vous fais plein de bisous. Bye bye.